Le jeu de ce soir s'appelle Mort Vivant ou Mort Vivant. À vous de me donner quelqu'un qui est dans cet état-là. Quelqu'un de vivant mais vieux. Donc c'est Maïté, c'est Marion qui a le point. Sa carrière est morte. Maïté. Vivant mais tout le monde le croit mort. Quelqu'un de bon vivant. Maïté. Maïté, bonne réponse. Tu es validé. Mais à qui tu parles, on l'a dit en même temps. Ah bon? On l'a refait, mais je veux plus Maïté en réponse. Bon vivant. Zinedine Zidane. Non. Vous avez le droit qu'à une seule réponse. Il faut que vous me disiez en quoi est déguisée la personne que vous allez voir en photo. Un café à emporter. Il y a littéralement écrit sur le costume. Bah c'est écrit. Moi je voudrais pas dire que j'ai triché, mais j'ai juste lu un mot, je savais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que les mythes et légendes de campagne sont des vraies histoires folkloriques ou pas du tout? À Saint-Ambroise dans le Gard, un bœuf s'est mis à voler au-dessus du village pour éviter le gaspillage de vin moisi. Je pense que c'est vrai parce que ça me parle. C'est une très bonne réponse. En Normandie, il existe un arbre qu'on a mis sous cage car toutes ses pommes ressemblent à des bonnes grosses bites. C'est faux, ça m'étonnerait qu'en Normandie on n'ait pas un peu de plaisir à manger des pommes en forme de bites. Et puis ça dérangeait qui en vrai? Depuis quand ça dérange? On continue à manger des bananes. En Ardèche subsiste un gnome acariâtre qui aurait perdu ses cheveux à force de faire des blagues sur les zizi. Alors c'est vrai, mais est-ce que c'est connu? La question c'est juste, est-ce qu'il va nous dire non c'est faux car il s'agit de moi, ou est-ce qu'il va nous dire non c'est vrai car il s'agit de moi? Ouais, faut répondre. Oui c'est vrai, c'est lui. C'est Davy. Oui, c'est vrai, c'est lui. Les deux réponses étaient acceptées, vous avez un point, bravo. Notre musicien suédois va vous jouer des musiques qui font peur, mais il sait pas parler très bien français. Du coup les paroles, c'est pas forcément ça. À vous de me dire en premier. Et vous avez un point. Ghostbusters. Il n'y a que deux pays. Quel talent. Chaque jour je m'entraîne dans cette langue que je hais au plus profond de mon cœur.